Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous ouvrir un des 4 items Pokémon que je vous avais présenté dans ma vidéo détente. Je vous avais demandé de voter pour lequel j'allais ouvrir en premier. Donc je suis content, merci à vous, j'ai eu quelques votes. Donc le gagnant, c'est le Duopack avec le petit Kangourex sans pins, le Duopack Rupture Turbo. Voilà. La vidéo d'avant, je me suis trompé dans mes gros achats à Pokémon. J'avais dit que ce qui était en tête, c'était le coffret Pikachu et le Duopack. Mais non, c'était le coffret Pikachu et le Maxi Pack avec les deux portfolios. Mais vu qu'il y a eu un vote entre temps, c'est le Duopack qui a gagné. Donc on va lire ce qu'il y a au dos de ce Duopack. Donnez un coup d'accélération à votre collection. Améliorez votre collection du CC Pokémon avec deux boosters. Arborez fièrement votre nouveau pins Pokémon de collection. Contient deux boosters et un pin de collection. Donc il y en a 4 modèles différents. Je sais qu'il y a le Groudon, le Primo Groudon. Ouais. Et il y a le Primo qui a grossi, je crois. Et le quatrième, je sais plus. C'est pas Primo Rayquaza. Ouais, les autres, c'est des Primo, je crois. Et moi j'ai choisi le Kangourex. Voilà. Et on sera avec le petit Rafflesia. Hop là. Donc je vous dis à tout de suite. Je vais l'ouvrir hors caméra pour que ce soit plus facile. Allez, à tout de suite. Et me revoilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme booster? On a deux turbos, le Luxray Turbo et l'Amphinobi Turbo. Et on va regarder de plus près ce petit pins Kangourex. Ah, il est vraiment sympa. Hein. Les détails sont corrects. Les couleurs sont bien vives. Vachement beau. Très beau ce pins. Oups là, je fais tomber. Et je sais pas si on va bien voir la caméra, est-ce que ça brille. Marqué officiel pins. Et ça a été fait en 2014, donc ça fait un petit moment que ça a été fait. Fabriqué en Chine. Voilà. Donc ça doit être des invendus, alors c'est pins. Hein. Ça peut être pins. Voilà. Donc un joli item Pokémon. Allez mon petit Rafflesia, j'espère que tu vas nous porter chance. Allez, ben j'ouvre lequel. Allez. Le Luxray. Et vous avez vu Pokémon Moon et Sun, ils ont montré les 3 nouveaux starters. Oh, ils sont pas trop dégueux, je dis. Hein. Surtout le Brindibou, je le trouve pas mal. Après, on verra ses évolutions. Il y a Brindibou, c'est une petite chouette, enfin, ouais, un hibou plante. Il y a Flamiaou, un chat feu, et Otaquin. Après l'Otari, je sais pas, il y a eu un peu trop d'Otari comme ça, je trouve. Et celui-là, il est un peu bizarre. Il fait un peu trop Toon. Donc voilà. Allez. C'est parti pour cette ouverture. Faisons les doigts. Bah alors, c'est collé? Je sais pas. Ouais, j'ai pas tout enlevé le scotch. Saloperie. Je peux pas faire comme les Japonais, mettre une petite gommette là. Oh. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Bordel, je l'ai même pas vu ce scotch. Oh, tu m'as ça. J'espère qu'on va pas sur les cartes. Bon, comme d'hab, hein, les petits codes. Hein. Si j'ai eu une bonne carte, je vous le donne. Sinon, vous me le dites, vous me faites savoir en commentaire ou dans... Enfin, surtout... ouais. Ou par email. Par email, c'est mieux. Pour que je vous donne des petits codes. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par un Cricnut. Ou Cricno. Je sais pas, vu qu'il n'y a pas de E. Enfin, Cricnut, c'est plus joli. Et Cricnut. Un joli Starry. Bon, je sais pas si vous entendez la caméra, mais il y a de la musique. Il y en a qui écoutent de la musique à fond. Au-dessus de chez moi ou à côté. Alors, Rapion. Chlorobule, Pandaspiègle,
N'empêche, les versions Pokémon Sun and Moon, je sais pas pourquoi. Ouais, ça me donne envie d'en acheter un. Si j'en achetais un, ce serait plutôt le Moon. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai pas de. Est-ce que c'est sur Nintendo DS, ça? Et j'ai vu que j'en ai pas. Faudrait que je m'en achète une. Je sais pas parce que. Ouais, il m'intéresse, ces trois nouveaux starters. Je verrai bien. Je verrai bien, je verrai bien. Tierno. Le problème, c'est que là, en ce moment, je suis à fond sur une ROM Pokémon. Donc. Je peux pas trop jouer à plusieurs jeux comme ça mélanger. Je vais me perdre. Et surtout, je vais arrêter un autre jeu. Et c'est. Après, je vais perdre le fil de l'histoire. Et c'est pas bon. Souvent, je commence un jeu, je le finis pas. Mais là, je suis à fond dans la ROM. Pokémon Pourpre. Où il faut combattre la Team Rocket. Si vous savez pas ce que c'est, justement, il y a Iznor qui fait un let's play dessus. Alors, Cocotine. Flagados. Je la trouve toujours autant magnifique, cette carte-là. Un Reverse Attrape Pokémon et un Miasmax en holographique. Allez hop! Le petit cœur. Oups. Voilà. Donc, une petite holo. J'aime pas trop le Pokémon, mais les couleurs elles sont sympas, elles sont vraiment belles. Hop là, une jolie petite holo. Donc je suis content, mais j'espère que j'aurai une ultra parce que les holos je les ai toutes. Ouais. Oh, le petit amphinobi. Allez, c'est parti pour un Rapion. Starry. Putain, on dirait que c'est le même booster quoi. Venalgue. Krixik. Soporifique. Allez, s'il vous plaît. Dimoclès. Loclasse. Potion. En reverse. L'Optigermignon. T'as vu qu'il a un visage un peu. Enfin, je sais pas, c'est ma caméra détecte son visage comme si c'était un humain. Le Germignon. Allez. Un Tangalisse en rare. Bon. Dommage. Bon, cette collection va pas se compléter, on dirait. Ah. Mais ça va, j'ai encore pas mal de boosters. J'ai encore au moins 8 boosters sous blister. J'ai quoi d'autre? J'ai encore un tri-pack. Avec une promo Latios ou Latias, je sais plus. Donc j'ai encore quelques boosters de rupture turbo si je veux essayer de compléter ma collection. Voilà, bon, pour le petit récap, hein, je fais de près, de plus près. Un Tangalisse en rare. Et la Miasmax holographique. Oh, le Reverse, hein. Hop, je vous montre que la Germignon. Potion ouest, l'autre c'est attrape Pokémon. Hop. Et c'est bien parce que dans la série suivante, ça se suit, les histoires c'est cool. Dans Impact des Destins, on voit le Germignon et le Fennec qui sont retrouvés. Il y a un des deux qui a sauté dans le portail. Mais je crois que c'est le Germignon parce que je sais plus sur la carte, ils sont dans une ville ou dans la forêt. C'est dans une. Je me rappelle plus de l'image, je l'ai plus en tête. Mais en tout cas, un des deux a rejoint l'autre. Comme la carte Coquillasse, on voit qu'il y a un. Ah! J'ai oublié le nom du Pokémon. C'est Nucleos, ouais, la petite boule verte là. Et on voit le Coquillasse qui est refermé derrière. Vous savez bien, le Coquillasse dans le désert. Donc c'est sympa, ces cartes qui se suivent. J'aime bien, moi, petites histoires comme ça. Donc voilà. Bon, pour les trois autres items qui restent, je voudrais que vous votiez encore. Je garde mes anciens votes et je rajouterai les votes par-dessus. Donc, alors je vais vous montrer ce qui reste. Alors,
Alors, il reste le maxi pack avec les deux boosters, le coffret Pikachu, et le magazine Pokémon avec les échantillons de Rupture Turbo. Il y en a deux. Voilà. Comme d'habitude, si vous votez pas, je choisirai moi-même ou je me fierai à l'ancien vote. Et celui qui est en tête, c'est le coffret Pikachu et le maxi pack sont à égalité. Je ferai un pile ou face si vous votez pas. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.